Alors, Vera, Vera pas, Vera, Vera pas. Oh là là, elle est immobile comme une statue, regardez-moi ça. Ah, vraiment focalisée sur le jardin, c'est dingue. Allez, c'est l'heure de passer discretos derrière la bibliothèque et à moi de lui flanquer la peur de sa vie. Allez... quoi? Mais elle est où? Mais quoi? Purée! Oh bah écoute, on s'occupe comme on peut, hein. D'avoir une machine à café dans cette cuisine parce que franchement je suis crevé. Et qu'est-ce qui t'arrive, Crippette? Ah bah écoute, je suis content de constater un tel enthousiasme parce que je veux dire que moi je suis raide mort. Bah déjà une semaine entière de minage pour récolter tout ça, déjà je suis crevé. En plus, reconstruire la bibliothèque avec tous les bouquins qu'on a pu récupérer dans le château, que toi tu as pu étudier bien sagement, mais moi... je serais ravi de l'entendre, mais pour l'instant je suis juste mort. t'as qu'à venir, tiens regarde, viens en bas. J'ai creusé une nouvelle salle. Crippette, viens voir. Bref, peu importe. Une nouvelle petite salle avec des coffres en cuivre. Voilà, pour avoir beaucoup plus d'espace pour pouvoir ranger les choses. Maintenant, il va falloir que je les range. Et ça, c'est un rideau qu'il vaut mieux ne pas ouvrir. Alors, viens, ça, je ferme. Bon, bah, c'est dommage pour toi, hein, tu ne l'auras pas vu. Non, rien à l'étage. Quoique, en même temps, à l'étage, je pense que je vais le réserver pour faire un petit coin pour les dragons, quelque chose de sympathique. Bah ouais, pourquoi pas. Puis moi, je me sens seul dans ma chambre quand je dors le soir. Oui, mais c'est pas moi qui régis les lois de la nature minecraftienne. Dehors, j'ai réaménagé un petit peu le jardin... Salut! Oui, c'est quand même beaucoup plus joli, merci pour le compliment. Comme ça, je peux récolter mes petites fraises tranquillement, voilà. Petite pause gerlinéa à volonté. Non mais en fait, Crippette, je crois qu'elle a perdu la boule. Mais j'essaie de me montrer des trucs depuis tout à l'heure, mais tu regardes pas! Ça, ça s'appelle un mur! Bref. J'ai qu'à faire le tour moi-même, comme ça je pourrais... Ouais, bon bah, je vais pas le faire moi-même, mais voilà. Je m'en occuperai un petit peu plus tard, mon grand, parce que là, pour le coup, c'est vrai que je m'en suis pas encore occupé, mais ne t'inquiète pas, ta maison, je vais m'en occuper, mon dragon. Et j'en ai besoin de ma tête, alors ne me mange pas les cheveux. Ça va, vous autres, mes dragons? Ah, merci, c'est gentil. Oui, ça aussi, je l'ai fait. Une belle petite décoration pour le Nether, que je pense pouvoir me permettre de visiter très bientôt. C'est une idée. Ah, c'est une idée. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Je vais aller me faire l'armure tout de suite. J'ai récupéré pas mal de rupees. Ah, tu es là. J'ai récupéré pas mal de rupees sous tes conseils. Alors du coup, j'espère que ça va fonctionner. J'en ai 27. C'est suffisant pour me faire une armure complète. Alors.
Le casque en premier lieu, ensuite le plastron bien sûr. Je continue avec le pantalon évidemment et les chaussures et ensuite bien sûr à l'épée. Par contre je n'ai pas de bâton. Non, je ne le tends pas pour me faire battre, je suis juste un peu tête en l'air. Tu me pardonneras, je ne peux pas être productif tout le temps. Surtout avec cette chaleur. Alors, voilà. Ouais, j'ai pas encore de quoi me crafter un ventilateur, je crois que ça n'existe pas en fait. Mais tu peux toujours aller te... Pendant que le portail est éteint, au niveau du portail du Nether, j'ai fait deux petites fontaines. Tu peux aller te rafraîchir si tu veux. D'accord, pas de problème. Ah, et puis j'ai aussi oublié de te montrer un truc. Alors ça, la fameuse cuisine d'intérieur, hein, une petite cuisine d'intérieur, ma foi, fort sympathique. Voilà. Mais comme tu l'as dit, il va falloir que je la remplisse. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il me faudrait un micro-ondes, un lave-vaisselle, une jarre à cookies. Une jarre à cookies. Ah. Oui, bon, tant pis. Et là... Le petit coin dont je suis vraiment fier, ma petite réserve à pose de Gerlinéa, c'est cool. Avec mon petit flèche qui désormais n'a plus besoin de nager près d'une source de lave, ça c'est un progrès. Et j'ai toutes les petites fraises, etc. Avec aussi ma petite réserve. Ma petite réserve à sucre. Pour faire des cookies. Alors, en même temps, pour faire des cookies, on n'a pas besoin de sucre, mais on peut toujours faire des gâteaux. Eh, mon anniversaire, c'est bientôt! Alors, hop, voilà, comme ça, et il va falloir aussi songer à faire un poulailler. Alors déjà, j'enfile ma nouvelle armure. Je suis un schtroumpf. Ah, oui, bah, au moins je serai bien protégé. Réduction, en fait les dommages sont réduits de 50% quand je la porte en entier. C'est génial! Et en plus, je réduis de 85% les dommages de mêlée. C'est parfait pour pouvoir continuer à explorer le château! Bah oui, puisqu'ils attaquent à l'épée. C'est génial! Les dégâts sont réduits de 85%. Par contre, il va falloir que je fasse très attention pour la suite. Je vais réduire tout ça en sucre. Voilà, nickel. Ça peut toujours être utile pour la préparation du gâteau. Merci beaucoup, Macri. Bon, allez, maintenant que tout est prêt, je vais pouvoir récupérer... Ah, je vais aller enchanter tout ça, tiens. Comme on a beaucoup plus de livres, est-ce que je peux enchanter? Oui, je peux l'enchanter. Un petit fire damage, ce serait cool. Je peux pas me faire deux épées en loupi, c'est dommage. 16. Allez, 16. Là, Unbreaking 3 et Looting 1, génial, la grande classe, j'ai une épée encore plus puissante. Et je vais essayer d'enchanter également mon chest plate pour voir, on peut, ah je peux pas l'enchanter. Oh, et je peux vraiment enchanter aucune autre pièce. Même pas le pantalon. Je sais pas, braguette d'acier, quelque chose comme ça, non ça marche pas, oh. C'est dommage. Bon, en même temps, en elle-même, sachant qu'elle a déjà des pouvoirs de protection, je vais pas me plaindre. Mais au moins, j'ai une superbe épée bien enchantée comme il faut, c'est cool. Ok, bon, bah direction le Nether. On va aller prendre le petit Flint and Steel. Je vais prendre également... Alors, les seaux d'eau, je doute que ce soit très très utile. Mais je vais prendre un seau quand même. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre d'autre? Rien. Je vais juste tester tester tout ça. Par contre, je ne peux pas prendre Ender avec moi. Si, je peux... Creepette! Elle est où encore? Ah, elle est là. Elle est dehors. Voilà, tu rentres à l'intérieur, s'il te plaît. Tu protèges la maison. Bah, pourquoi? Ah bon? Ah, la classe! Bah, il fallait me le dire avant, ça! Eh, tu sais bien que je compte sur toi. Oh, arrête de bougonner, s'il te plaît. Tu le sais très bien que t'as une place importante dans la maison. Alors, comment est-ce que je fais ça? Ok, copper.
Les copper blocks, bon ça je sais. Et donc, ah ok, copperhead. Il faut de la redstone, c'est parfait, j'ai ramené tout ça. Oh, c'est déjà la nuit. Ah, on pourrait tester. Ok, ça marche. Je prends mon copper, j'en ai ramené suffisamment. Hop, 1, 2, 3, 4, parfait. Là, ça sert à rien, je récupère tout ça. Il me faut de la redstone. J'en ai, ça tombe très bien. Hop, hop, un petit i avec de la redstone juste là. Et je vais pouvoir me faire mon golem. En plus, c'est la nuit. Non, Cripette, toi par contre... Non, tu restes là, tu dors. On va pouvoir crafter le golem. Et hop. Hey, salut copain. Ah, malheureusement, il ne parle pas. Copain? Bon, en même temps, il vient de... Il vient d'être amené à la vie, donc forcément... Ah, oh! Magique! Hey, t'as déjà compris ton job en plus, c'est génial! Bon bah écoute, mon petit gars, on va devenir pote. T'es sûr que tu parles pas? Ouais, bon. On va pas le forcer non plus. Je vais le laisser, il va faire ses petits tours de garde, c'est plutôt sympa. On a un nouveau pote, c'est cool, la famille Dimension s'agrandit. J'espère juste que... Ok, ça n'a pas spawné à l'intérieur de la maison, c'est nickel. Au dodo ! Voilà ! Bon, allez ! Qu'est-ce qui se passe ? Alors, voilà, toi tu meurs, tu seras gentil. Et moi je vais m'occuper... Waouh, 12 points de dégâts ! Ah ! Ah ! Wouh ! Hey ! C'est quoi ça ? Waouh ! Apparemment, j'ai augmenté mes compétences. Eh bah dis donc, ça aurait été plus simple que prévu. Ok, c'est cool. Bon bah voilà, pendant que la maison est protégée, il y a des araignées, mais je pense que le golem va s'en charger. Moi, je vais pouvoir aller dans le Nether. Il va falloir que j'aille récupérer de la glowstone et du quartz. Je pense que ça, ça va être déjà la première mission. Après, pour le reste, on verra. Je vais essayer d'y aller tout seul. J'ai envie de me prouver que je peux y arriver... sans mes dragons. T'inquiète, si j'estime que c'est trop dangereux et que j'ai besoin de vous, il n'y a pas de problème. Par contre, je pense que c'est Flame qui devra y aller parce que Flame résiste au feu et à la chaleur. Et toi, t'es en plus complètement tranquille par rapport à la canicule, il n'y a pas de problème. Ouais, je sais, ça absorbe la chaleur, c'est vraiment pas pratique. J'ai cru que j'avais vu quelque chose. Bref, je vous laisse ici mes dragons. Prenez bien soin de vous. Faites attention à ce que le golem se comporte relativement bien et fasse son job. Et moi, je file. Je file, mais en fait, non. Parce que j'ai oublié de prendre mes potions. Je fais le travail à moitié. Cripette dort encore. Ah ! Je vais prendre mes deux petites potions. Ça au cas où. Et puis voilà. Le sucre, je vais le garder. Je vais le mettre là. La redstone et le copper, pareil. Juste là, ça. Ce sera suffisant. Je prends mes petites fraises histoire de pouvoir me maintenir en forme. Des carottes aussi parce que ça régénère la vie plus rapidement. Du pain. Je pense que je n'aurai pas besoin d'autre chose. Allez, allons-y. Nickel. Allez, à plus tard mes grands. Direction le Nether. En espérant que j'y trouve des choses intéressantes. Hop. Flint and Steel. Je
J'ai l'impression que j'ai fait une boulette. Bah, comment ça se fait que ça marche pas? Il y a comme un problème. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourtant, il y a suffisamment de... Oh, la tuile! Bon, bah voilà, c'est fait. Normalement, ça devrait marcher. Allez, go. Et bah voilà. C'est aussi simple que ça. Wow, wow, wow. Non, 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 non. Laissez-moi passer, s'il vous plaît, merci. Wow. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai très très peur. Oh, purée. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est quoi ces bestioles? Wildfire? Oh! C'est quoi ces bestioles? J'ai jamais entendu parler de bestioles. Pareil, en plus. J'ai pas pris de potion résistance au feu. Je suis vraiment débile. Je vais essayer de les éviter pour l'instant. Darkstone. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Ah, apparemment, il y a des choses intéressantes en bas. Je suis content de voir qu'il y a aussi des jarres. Wow, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ça me rassure pas des masses d'être là, moi. Hé, hey, c'est quoi ces trucs-là? De la gemme de sang? Eh ben, ça me rassure beaucoup, je suis content d'être là. Oh. Bon, ben, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'avec la tapazite, je peux récupérer des belles choses. De la netherite. C'est bon à savoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des tonnes de choses ici. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, sympathique. Des cristaux de couleur. Qu'est-ce que c'est que ça? De la luminite. Oh, sympathique. Luminite pour faire des blocs colorés apparemment et faire un luminite disco bloc. Eh bah ça va être sympa ça pour la déco. Bon, et en même temps, il doit sûrement y avoir... Oups. Et ça, on dirait une araignée du Nether. Allez. Je vais venir récupérer quelque chose de particulier. Je ferais bien de le récupérer en vitesse. Voilà. Mon petit quartz. Faut que je fasse très attention. Je serais capable de creuser sous mes pieds, moi. Bon, en même temps, j'ai pas envie de rester là. Juste à miner, c'est pas drôle. Ah bah. T'es gentil, t'as pensé à moi. Ah bah évidemment, j'aurais dû y penser. Waouh, 50 points de vie. Voilà, c'est beaucoup trop dangereux d'être là sans protection contre le feu, mais vraiment. Je suis vraiment inconscient, moi. Bon. Hop, on récupère la vie. L'air d'y avoir quand même pas mal de grosses bestioles bien vicieuses, dont des rats du Nether. Il m'avait pas manqué cela. Ah, le quartz qui me permet de gagner davantage d'expérience, c'est une très bonne chose. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que t'es toi ?
Et un ogre de feu. C'est gentil de vouloir me prévenir, mais tu m'as fait surtout peur. Je croyais que t'étais là pour me faire du mal en plus. Ah, tu es donc là pour me faire du mal en fait. Ah! Je crois qu'il faudrait mieux que je m'en aille. Ah!